Une piste totalement impraticable. Un pan des difficultés liées à l'exploitation du sable fluvial ici à Wenhi. Ce spectacle sera dans peu de temps un simple souvenir grâce au projet SICA, l'or en français. Il vise, de façon globale, à promouvoir un développement territorial durable et équilibré, reposant sur une gouvernance locale concertée, inclusive, promouvant l'égalité du genre et veillant à favoriser l'émergence d'une dynamique territoriale innovante. De façon concrète, ce projet d'un montant de 124 516 230 francs CFA consiste en l'aménagement de la piste reliée à Iweji, à Hogo et des aires de stockage pour l'exploitation du sable fluvial. Bras financier, le 11e Fonds européen de développement à travers le PADT, Programme d'appui au développement territorial. Le programme d'appui au développement territorial a trouvé dans le projet soumis un potentiel de promotion de l'économie locale. Mesdames et messieurs, l'ordonnateur national du FED, la délégation de l'Union européenne au Bénin, le coordonnateur national de l'UTFN et la régie du PADT restent attentifs aux résultats de votre projet et souhaitent qu'il soit positif pour l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Nous devons vendre Wenhi par rapport à une identité. Je voudrais, au nom du préfet, que ce projet soit un label pour la commune de Wenhi. Nous n'allons pas ménager nos efforts pour aider les services techniques à élaborer des outils pour évaluer, apprécier les résultats du projet et au besoin les orienter vers les objectifs de façon optimale. Le projet SICA démarre en novembre et va durer 24 mois. Sa bonne exécution pourrait attirer d'autres partenaires vers la commune de Wenhi.